Sylvie Ortega hospitalisée en urgence, l'ancienne amie Loana partage un message alarmant sur Instagram. Ses combats, Sylvie Ortega en parle sans gêne. Outre la perte de son conjoint, Ludovic Chancel, le 7 juillet 2017, à l'âge de 42 ans, l'ancienne amie de Loana s'est également confiée sur son passé d'anorexique. Le 30 janvier dernier, la jeune femme s'est livrée à quelques confidences par le biais d'une publication Instagram dans laquelle elle révélait avoir frôlé la mort. « Oui, j'ai été une grande anorexique pendant des années. Une véritable souffrance chaque seconde. Point. Des années de thérapie et d'hospitalisation, et non, je n'en connais toujours pas la raison. » A-t-elle raconté à ses 260 000 followers, avant d'aller plus loin dans les détails. On m'alimentait via des sondes. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'ai pesé jusqu'à 28 kg et malgré mes 178 cm et mes 28 kg, j'avais une pêche d'enfer. Ça m'est arrivé de ne rien manger pendant plus de 30 jours. Point. Virgule a ajouté Sylvie Ortega, avant de conclure qu'aujourd'hui encore, elle avait du mal à s'alimenter correctement. À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas m'alimenter normalement et sainement. Le coca m'a sauvé entre autres et oui, je continue à prendre un traitement afin de m'ouvrir l'appétit. Car j'oublie souvent de manger. Honnêtement, on peut stabiliser la maladie, mais hélas, elle reste toujours un peu ancrée en nous, a-t-elle conclu dans son récit. Ce mardi 29 novembre, Sylvie Ortega Muno a annoncé une triste nouvelle dans sa story Instagram. Absente des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, l'ancienne belle-fille de Sheila a confié être hospitalisée depuis le début de la semaine. Désolée de ne pas répondre au téléphone. On ne peut pas dire que je suis au top de ma forme. A confié celle qui s'est écharpée avec Gilles Verdet, le 1er avril 2021 dans TPMP. Sous perfusion, depuis son lit d'hôpital. Quelques instants plus tard, la mère de famille s'est montrée plus exhaustive. En expliquant les raisons de son passage par la case hôpital. Hospitalisée en urgence depuis hier soir. « Priez pour moi, s'il vous plaît, afin qu'on sauve mon unique et seul rein qu'il me reste. » A-t-elle ajouté, avant de conclure que les médicaments n'étaient pas assez forts à apaiser ses douleurs. Les douleurs sont tellement intenses que même la morphine ne me calme pas, a-t-elle conclu. Un message plus qu'alarmant.